Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une fatwa importante de l'érudit savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, une fatwa relative au chapitre de la prière. La question posée au Cheikh, un imam ayant présidé la prière de Al-Isha devant les gens. Puis il s'est relevé pour prier une cinquième unité de prière par oubli. Or, certains prieurs l'ont imité, comme celui qui était venu à la prière après la première unité. Il s'est relevé avec lui. Peut-il faire le teslim en même temps que lui, c'est-à-dire que l'imam, du moment qu'il aurait prié quatre unités en tout? Ou bien devrait-il toujours rajouter une unité de prière? La réponse du cheikh Hafidhahullah. Ce prieur ne doit pas prendre en considération l'unité de prière de trop de son imam. S'il s'avise que c'est une unité de trop, il ne la tient pas en compte. Il doit donc rajouter une unité après le teslim de l'imam. Fin de la réponse du Cheikh. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.